monde, donc on se retrouve aujourd'hui, donc on est le vendredi 5 février, j'ai un peu squatté la chambre de mon fils pour vous faire la vidéo puisque les enfants sont de l'autre côté à la télé. Alors, c'est pas trop mal au niveau de la luminosité. Je finis mon travail, j'avais un petit battement d'aller à peine une demi-heure, je suis vite fait allée chez Noz puisque du coup après il fallait que je récupère le grand. Donc autant vous dire que j'ai fait très très vite, puisque j'avais vu qu'ils avaient des feutres spectrum qui étaient arrivés, des crayons de couleur, donc je voulais aller voir ce qui était arrivé chez moi. Donc je suis super contente, j'ai trouvé plein de trucs, et je pense que dans vos notes, vous devez peut-être en avoir également. Mis à part ça, j'ai trouvé pour mes filles un micro, puisque j'ai deux chanteuses, vous savez que mon mari fait de la musique, l'aînée fait de la guitare, quand il a le temps, voilà. Et ma deuxième aime beaucoup le chant, donc elle chante. Donc du coup, il y avait ce micro-là qui paraissait pas trop mal. Mon mari me disait qu'il était pas trop mal. Donc du coup, on leur a pris un chacun forcément, parce que ça va par deux chez nous. Quand on a deux filles, c'est par deux. Hein. Donc c'était 7,99€, donc un petit micro. Alors il est pas de cette couleur-là, il est noir. J'ai même pas fait gaffe s'il y avait d'autres couleurs. J'ai pris vraiment, il devait y en avoir 4 ou 5, hein, mais il n'y en avait pas des quantités non plus énormes, donc deux noirs, voilà, comme ça. Le bon blanc, je suis tombée sur un grand format XL de dessin noir. 150 grammes, ce qui n'est pas trop mal pour du noir, au lieu de 15,50€. Alors, je ne sais pas de quel magasin culturel ça vient, ça ressemble... Je dirais aux étiquettes de Cultura, mais j'en suis pas sûre. Il y a une ressemblance. Hein. Ça fait un peu les étiquettes un petit peu Cultura, je dirais. Et c'était avec une décote de 75%. Je l'ai payé le grand format comme ceci. Tenez-vous bien, 3,80€. Donc je n'ai pas hésité, il n'y en avait qu'un. Je l'ai pris. Voilà, j'ai pour une fois. Voilà, je prends. Ensuite, dans les bonnes affaires comme ça, je suis tombée sur du Canson 224 grammes. Donc, ce qui est très bien. C'est pareil, je l'ai payé 3,99€. Donc, je n'ai pas le prix d'origine. Mais ça me convient complètement pour du Canson. J'ai 20 pages, toujours du papier d'avance. C'est super utile. J'ai également vu du papier comme ceci. Alors, ce papier-là était parmi l'alimentaire. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et du coup, c'est du 220 grammes. Il y a 5 feuilles, c'était 59 centimes. Donc, du coup, j'en ai pris deux. Ça me fait 10 feuilles. Donc, du turquoise comme ça. Des verts, turquoise, vert d'eau. C'est des couleurs un peu que j'adore. Du coup, j'ai pris. Rien à voir avec le scrap, mais des anti-fourmis pour quand la saison va être partie pour 2€, 1,99€. Donc ça n'a rien à voir avec le scrap. Ensuite, j'ai quasiment un sac complet de Spectrum. Autant vous dire qu'il y avait un bac de crayons de couleur. Je crois que j'ai laissé 3 boîtes. J'étais gentille. Pour une fois, j'ai tant pis, je me sers, je prends tout. Alors, j'essaie de vous les séparer. Alors, attendez, hop. Parce que du coup, il y a deux modèles de crayons de couleur. C'est ce que j'ai vu. Donc ça. Donc forcément, j'ai pensé aux copinettes. Se reconnaîtront puisque on a déjà commencé à voir pour notre affaire à se prendre contact pour pouvoir échanger nos couleurs. Voilà, donc ça c'est encore autre chose, ça c'est comme ça. Je pense que j'ai même pas pris de double, hein. Je peux vous dire, j'ai fait vite, hein. très vite, je peux vous assurer. J'ai trié, pouf, ça j'ai pas, pouf, dans le sac, j'ai tout mis dans le sac. Les feutres, j'ai fait à peu près pareil, j'ai pas trop regardé, j'ai pris et puis j'ai envoyé à trier après. Voilà. Je suis arrivée en caisse, on m'a regardé,
Comme ça, avec des yeux, on s'est dit, mais celle-là, elle est complètement fada parce qu'elle a pris tout ça. Il y a même une dame qui était derrière moi qui commençait à regarder parce que quand j'ai sorti au fur et à mesure tous les paquets, je peux vous assurer, j'ai quand même pas mal de paquets. Bah, j'ai le total là. J'ai 24 marqueurs, boîtes de marqueurs, 21 boîtes de crayons de couleur. Vous voyez, autant vous imaginez que je suis arrivée en caisse, je vous dis, il y avait une dame, elle écarquillait les yeux en se disant, elle est complètement pas bien celle-là. Hein. Mais je me suis dit, c'est pas dramatique. Pour une fois que je le fais, hein, d'ordre général, je le fais pas, je prends pas tout, ou voilà, je dis là, j'ai pas le temps de réfléchir, parce qu'en plus, il y avait déjà l'annonce que. Le magasin elle est fermé, donc voilà, j'ai pris, on verra bien. Hein. De toute façon, on trouvera bien l'acquéreur. Donc autant vous dire que là, j'ai ce qu'il faut. Hop, 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 je finis tout de suite. Si, pour celles que ça intéresse, rien à voir non plus avec le scrap. C'est juste un petit tuyau comme ça. Je suis tombée sur cette crème-là, Evelyn Cosmetics, une aqua hybride, donc un anti-ride. Hein. Comprenez qu'on en a besoin quand on vieillit un petit peu. Et du coup, je l'ai testée. Donc c'est pour ça que j'en parle avant de que j'en parle, parce que je l'ai testée. Elle est vraiment très très bien. Elle graisse pas et tout. 1,99€ et c'est cette crème là. Alors moi j'ai pris un peu plus de 35 ans, hein, voilà. Parce qu'après c'était 45, je me suis dit oh c'est trop vieux, je dis ah non on fait pas. Donc du coup j'ai pris celle-ci et je dois dire qu'elle est vraiment très bien. J'en avais pris deux boîtes la semaine dernière. Parce que c'est de l'anti-ride, je veux dire au prix que c'est vendu, voilà. J'aime bien le trouver chez nous, on va dire ça comme ça. Et là du coup il en restait encore une comme ça, j'en ai repris une d'avance. Je me suis dit, c'est pas perdu. À ce prix-là, on y va. Donc, voilà. J'ai fini. Donc, je vous fais voir. J'ai trouvé, donc, les boîtes de Color Blend by Spectrum Noir. Donc là, ça se présente comme ceci. Et du coup, voilà. Vous avez... alors attendez, hop, voilà, ils sont comme ça, c'est par 6, c'est des boîtes de 6. Certes, c'est la même couleur, j'en discute pas. Après, quand on arrive à faire les échanges, c'est plutôt sympathique. Voilà. Et là, c'est le stone. Donc, les boîtes comme ceci de Color Blend sont à 59 centimes. Autant vous dire, c'est du donné à ce prix-là. Donc, j'ai trouvé le stone. Le walnut, le saffron, l'émeraude, le mulberry. Donc j'ai mon fils qui fait également un peu de dessin, donc je vais en garder un petit peu pour lui également. Ah bah là celle-là je l'ai en double, la mulberry, mais ça c'est pas grave, ce sera pour des échanges. La wed current, voilà. Twilight Blue, la Rock Pool, la Night Sky. Donc, vous voyez, je ne me suis pas trop trompée. Hein. La Pilgrim, la Tangerine. Donc, je ne me suis pas trop trompée dans mes couleurs. J'ai pris qu'une boîte en double. J'ai fait trop fort. La Mawen. La vanilla et la rose red. Alors, je pense que ça a dû être mis aujourd'hui parce que c'était trop bien rangé pour que ça date de plusieurs jours. Et après, il y a également les aquablènes. Donc, ceux-là, c'est des crayons à aquarelle artiste. Voilà, et vous voyez, à ne pas s'y tromper, c'est les mêmes boîtes. Donc, du coup, dans les Aqua Blend, ils sont toujours vendus par 6 à 59 centimes. Donc, autant vous dire, c'est une pépite à ce prix-là pour des crayons aquarelles. Donc là, j'ai la Pesto Green, la Tobacco, la Sunshine, la
Skerberi. Voilà, c'est un rouge. La Carminte. Et la Personne. Donc vous voyez, dans tout ce que j'ai pris, pas de double. Trop fort. Qu'une boîte en Color Blend. Donc je me dis, je m'estime tout à fait contente du truc. Franchement, je suis ravie. En plus, sur Vinted, je suis tombée sur une dame qui les vendait et franchement, elle les a vendues au prix qu'elle les a achetées. Donc je vais pouvoir compléter. Je vais avoir deux boîtes supplémentaires d'Aqua Blender. Et en Color Blend, c'est pareil. Elle vendait un lot. Du coup, c'était tout à fait correct. Donc, je l'ai pris, j'ai pas cherché. Du coup, voilà. Après, j'ai pas eu le temps de vérifier ce que j'avais pris, si c'était ce que j'avais déjà là. J'ai tant pis, je prends. On verra après. On arrivera à trouver une solution après. Et après, dans les feutres aquarellables, c'est pareil. 24 boîtes pour 1,50€. Et je les ai déjà testés. Je vous avais déjà dit la dernière fois qu'ils étaient arrivés, je voulais pas les prendre parce que j'avais les pro marqueurs. Ça fait un an, je crois, pratiquement un an, que j'ai pas dû racheter de pro marqueurs parce qu'ils sont plus en promo à Créatitude. Il y a certaines phases où des fois ils sont en promo et du coup c'était là que je les achetais. Là, ils y sont pas. Ils font plus les graphites, donc ça m'embêtait un petit peu de mettre. Je crois que les pro marqueurs ils doivent être à 3€, je crois, le crayon ou un truc comme ça. Ça m'embêtait un petit peu, voilà. Donc j'en avais pas racheté. Et là, quand j'ai vu cela, puisque j'en avais pris que 2 ou 3 boîtes, je crois, et là, j'ai dit là, ils sont au top, donc du coup, je recharge. Donc là, j'ai trouvé la Try Blue. La Lipstick. La Dark Coal. Donc, également, j'ai trouvé sur Pinterest un nuancier. Donc, autant vous dire que c'est super. J'ai même pas besoin de le faire. Le True Blue, je l'ai pris 2 fois. Donc, on échangera. La Ruby. La Poppy. Je ferai certainement des échanges via Vinted ou si d'autres copines ont besoin. La De Mint. La Néo Orange. Alors, il y en avait plusieurs. Sincèrement, j'ai essayé de prendre ce que je voyais. J'avais un petit bac. Hein. C'était pas un gros bac. La crème. Alors, ça, c'est super pour les visages de peau. C'est super bien, ça. Ensuite, ici, c'est quoi? La Sky Blue. Ah, bah non, je l'ai pas. La Petrol Blue. Je suis trop contente. La Silk. La Dirty Purple. Donc vous voyez, au final, j'en ai pas pris. J'en ai pris pas mal, mais j'ai pas de double quoi. La Pitachio. La Meadow, donc un vert, encore un vert quoi. Voilà. Ah, la Meadow, je l'ai pris 2 fois. La crème, je l'ai pris 2 fois. La Dark Corail. Ouais, je l'ai pris 2 fois. Bon, j'ai des doubles. Par contre, là, dans ceux-là, j'ai plusieurs doubles. Donc, j'échangerai, c'est pas grave. Je vais faire un lot que je mettrai sur Vinted, tout simplement. La Ice Grey 6. Bon, ça tombera pas plus mal. Voilà. La Pink Violet. La Willow. La Red Brown. La Deep Pink et celui-là, la Purple Violet. Je ne l'ai pas déjà dit celui-là? Non. Donc voilà, je suis très contente.
ceux-là, du coup, bah, je ferai des lots que je mettrai sur Vinted, puisqu'ils sont en double. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, super contente de mes trouvailles. Je vous dis, trop trop contente. Là, je me dis, c'est super. Je pense pas qu'il y avait d'autres couleurs. Je pense que je suis vraiment passée sur toutes les boîtes, essayer de voir un petit peu si j'avais pris ou pas. Je vous dis, dans un ose, même pas une demi-heure, je pense que j'ai fait pas trop mal. Je crois que là, j'ai pas trop mal géré, je crois. Donc voilà, voilà mes trouvailles. Donc j'espère que vous allez trouver ça dans vos noses. Je vous dis, il y a des papiers qui arrivent quand sont. Si vous avez besoin, bah, allez-y. Je voulais vous donner le tuyau parce que moi, eh bien, pour moi, c'est mis d'aujourd'hui, hein, c'est sûr, parce que je pense pas qu'un bloc quand sont comme ça, il soit resté pendant 3 ou 4 jours à m'attendre. Je ne pense pas. Mais là, allez-y. Si vous avez l'occasion, allez-y. Donc, je vous embrasse. Je vous dis bah, bon week-end. Je pense que je referai des vidéos ce week-end. J'espère avoir le temps. Parce que du coup, j'ai un petit week-end. Je ne sais pas qu'il est chargé. Mais du coup, je concentre tout sur le samedi quand je veux faire quelque chose. Donc, voilà. C'est vrai que c'est le confinement, c'est bien. 18h, c'est un petit peu tôt quand on travaille. Donc, ma foi, voilà, je concentre un petit peu sur le week-end. Donc, samedi, j'espère avoir le temps de vous faire quelque chose. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!